avant que Thésée ne quitte votre cité, il vous a raconté une histoire bien triste. Il était une fois Phrixos et Élée, deux enfants en péril qui essayaient de fuir de l'autre côté de la mer sur le dos d'un bélier ailé à la toison d'or. Élée a lâché prise pour tomber à l'eau et se noyer, mais Phrixos a réussi à se cramponner. Arrivé à Colchide, il a sacrifié le bélier à Zeus et en a donné la toison au roi Aétès, le souverain local. Récupérer la toison d'or et la malédiction de Zeus sera levée. Mais la rapporter en Grèce ne sera pas de tout repos. Vous devrez faire appel à un troisième héros. Par ailleurs, Hercule s'occupe de chasser certains oiseaux de Stymphale. Et ils n'ont rien des hirondelles que vous voyez dans votre jardin. Non, ce sont d'énormes volatiles toujours affamés qui ne sont pas regardants sur ce qu'ils mettent dans leur bec. Animaux, récoltes, êtres humains, ils trouvent bon goût à tout. Par bonheur, le héros a réussi à les éloigner grâce au gong de bronze d'Héphaïstos, bien que personne ne sache si c'est le bruit du gong qui les a effrayés ou le flamenco qu'Hercule a dansé en guise d'accompagnement. Néanmoins, Agapénor, chef de Stymphale, est ravi de l'aide ainsi offerte. Lorsque vous honorerez Athéna par l'édification d'un sanctuaire, elle plantera un bosquet sacré d'oliviers pour vos citoyens. Et vous pourrez lui demander des présents en olives et en huile d'olive. Vous aurez très certainement besoin de son aide pour réussir ici. Elle prête aussi un peu de sa force à vos soldats, et elle défendra en personne votre cité en cas d'attaque. Vous pouvez aussi choisir de bâtir un sanctuaire en l'honneur d'Hermès, d'Apollon ou de Déméter. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue enfin pour ce nouvel épisode de Jason, les aventures de Jason, le troisième épisode sur les cinq, hein, c'est un scénario très court qui finalement aura pris beaucoup de temps puisque effectivement j'ai eu quelques soucis de PC, de Windows, de vacances, tout ça. Le fait est que c'est la troisième fois que je recommence ce scénario. En essayant de vous le faire, voilà, puisque les deux dernières fois, eh bien, l'enregistrement a planté, tout simplement. Donc on va essayer d'éviter ça, cette fois-ci, et donc, je vous raconterai pourquoi tout ce temps entre le deuxième et le troisième épisode, mais avant cela, reconcentrons-nous sur les aventures de Jason. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend qu'on a enfin la solution pour... éradiquer la malédiction de Zeus, qui est le fait d'aller chercher la toison d'or. Bon, c'est à tenter, mais quand même. Donc il va falloir envoyer très certainement Jason, hein, parce que c'est quand même les aventures de Jason, aller le chercher. Donc Jason, qui est le monsieur le plus difficile à faire en tant que héros, de mon avis personnel. Donc ça va pas être une mince affaire, d'autant plus que vous allez voir la cité, étant donné que j'ai eu des crashs, etc. Elle a fallu que je recommence le scénario. Donc vous allez voir que la cité est pas exactement la même, mais bon, je vous ferai un rapide tour, vous allez voir, ça a pas grand chose de différent, je pense. Autre part, on peut voir que Hercule va aider Stymphale, donc Stymphale vont nous être amicaux, très certainement. Et le petit encart sur les dieux, hein, bon, on nous apprend à jouer, très bien. Eh bien, on peut y aller, hop, rejoindre la cité. Alors... petite pause, donc la cité désormais se situe ici, je pense qu'elle n'était pas très loin non plus dans le premier scénario, voilà, donc elle est constituée ainsi. Par ici, on peut voir que j'ai des pêcheries, j'ai fait le sanctuaire d'Athéna avec donc tout ce qui est métairie et pressoir à olive, donc pour comme il disait, pour avoir de l'huile d'olive, parce que c'est très bien. Ici, j'ai mes scieries, avec ça c'est un entrepôt à sculpture. Donc ici j'ai mes docks, donc assez classique, hein. Donc ici j'avais Thésée dans le scénario précédent avec le palais. Ici j'ai un entrepôt de mort, bon, donc classique. Ici j'ai des bergeries, laiteries et des exploitations de blé. Voilà. Je pense que j'avais fait après la même chose, je sais pas re-regarder les deux épisodes. Donc je pourrais pas vous dire. Mais voilà, je pense que j'avais fait après la même chose. Ce qu'on va faire, c'est ça. Pour essayer de faire grandir les messieurs. Voilà, ça fait grandir les maisons un petit peu. Donc ça nous permet d'avoir un peu des gens. Ici je pense que j'ai une grande statue de Dionysos, c'est ça. Donc ici j'ai réservé une place exprès
comment s'appelle-t-il? Pour nos chers amis. Exactement. Nos chers amis nobles, voilà, des logements luxueux. Voilà, donc là, toi, on dort. Hop. Alors, on va placer Jason. Donc, Jason, je sais plus si on l'avait déjà vu, mais Jason, pourquoi c'est le plus gonflant à faire? Parce qu'il requiert 3 trirames. Donc, 3 trirames, c'est 100, 100 ouvriers par trirame. 2 compagnies de cavaliers. Donc, il faut faire tout le système de nourriture des logements luxueux pour avoir les compagnies de cavaliers. 64 caisses de nourriture, et ça c'est pas facile, et 8 chevaux dans les écuries en plus des compagnies de cavaliers, donc ça demande au minimum 2 écuries, donc c'est vraiment très très gonflant à faire. Donc on va commencer de suite, hein, je propose, je pense que vous ne serez pas contre. Alors avant je vais juste faire ça quand même, hop, histoire de relier le marbre à quelque chose, parce que là j'ai un truc de marbre mais il n'y a rien qui est relié. On va faire Apollon aussi comme dieu, hein, pour comme ça on pourra s'éviter tout ce qui est monstre. Paf, on va faire notre grande route comme ça. Alors, on va faire notre statue à Dionysos. Alors, attendez, alors avant on va s'organiser, on va faire un stade ici. Composé ici. De Trugnéméens. Ensuite. Faut vraiment que je réfléchisse, on va faire ça comme ça. Ensuite, on va foutre une maintenance. Ensuite, ici, on va commencer à mettre nos mecs. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà. Hop. On va me dire qu'on se situe dans un très bel endroit, exactement. C'est normal. Donc, on va faire ça, parc. Alors, pas trop grand, parce qu'on se souvient comment on avait souffert la dernière fois. 1, 2, 3, 4. Paf. Hop, ensuite on met notre grande agora ici. Et ici on va pouvoir mettre une maintenance avec notre collège, notre école de théâtre, pardon, un autre gymnase. Et de ce côté-ci, il nous faut l'école de théâtre. Et j'aurais espéré que ça rentre plus poil. On va espérer que ça rentre plus poil de ce côté-ci. On va mettre le podium ici. Là maintenant, c'est là, c'est parfait. C'est parfait. Alors j'ai plus de fric. Donc ça c'est très bien. Ou pas. Donc ici il va falloir mettre tout ce qui est laine ainsi que nourriture et huile d'olive, armement, vin, tout ça. D'ailleurs on va transférer tout de suite le vin. Voilà. Hop, j'accepte. Non, on marque de la cité Lemnos, très bien, merci. Ça fait vachement plaisir, pour le vrai en plus. Là, je voudrais pas que lui se méprenne. Ça, c'est fait. Le vin, ici, je vide. Parce que, évidemment, je veux que tu te mettes là. Oula, il se passe quoi, là, les gens? Je ne sais pas ce qui se passe, s'il vous plaît, arrêtez de vous exciter. Je vous demande de vous arrêter. Donc, il va falloir attendre qu'on... Ah, disons, pour demain, la série. Il va falloir qu'on attende... Célébrez-moi, oui, et vos champions seront un peu d'argent. Des jeux. Il va falloir attendre un peu d'argent. Aider l'argent. Un peu d'argent. Qu'est-ce que me disent? Voilà, parce que je voulais justement faire un dock à l'Érythrée. Alors, poste de commerce à Stymphal. T'achètes du blé et de la laine. Très bien. Tu vas me mettre ici, de manière totalement arbitraire, ce petit poste de commerce. Et tu vas me vendre de la laine en quantité évidemment assez réduite, et allez vendant un peu de blé, soyons fous, en quantité aussi un peu réduite. Ensuite, j'ai dit que je voulais voir un peu Érythrée. Donc, ah, j'ai reçu un monument, je ne sais pas à quoi, mais je l'ai reçu. Donc le doc Érythrée, on va se le foutre ici. Encore une fois, on supprime définitivement la forêt. Hop. On va se le foutre ici. On recrute, très bien. J'aimerais faire ça. Alors, comment ça se fait que j'ai un mec de la maintenance qui arrive jusque là? D'accord, très bien.
Stinfall, maintenant que tu es mon allié, j'accepte de t'aider. Il nous manque 16 ouvriers et on a 0 gens qui sont prévus. Donc ça, c'est un peu gênant. Ah, Naxos souhaite augmenter ses approvisionnements en laine, mais bon. Monument à la diplomatie. Eh ben oui, c'est vrai, maintenant que Stinfall est notre allié. Voilà ce monument. Du coup, on augmente le cachet d'ici. C'est très bien. Oui, Armas, on s'en fiche. Moi, et les marchands étrangers trouveront facilement leur chemin. Alors du coup, oui, je veux vendre du fromage. À force de 8, maximum. Je ne veux pas ne plus avoir de nourriture dans mes greniers, évidemment. La musique, ça fait très discrète, là, d'un coup. Ok. Ah, on recommence à avoir de l'argent. On recommence à avoir de l'argent. Alors, ce qu'il va nous falloir ici, on va commencer par un entrepôt d'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive, j'en ai masse. Pourquoi? Parce que vu qu'Athéna fait mon trajet que je souhaite, elle bénit mes pressoirs à olive, ce qui a pour effet de donner 4 huiles d'olive par olive. Enfin, par produit. Donc c'est plutôt très très bien en termes de rendu. Alors, évidemment, je vais également augmenter... Ah, une sculpture de la cité de Naxos, c'est plutôt pas mal. Je vais augmenter la taille de mes citoyens, parce que j'ai quasiment plus rien à faire dans cette cité. Il me manque plus que les précepteurs, mais ça, on les foutra un peu plus tard, quand je les aurai reçus. Second, au jeu Némien, ne vous inquiétez pas, on va vous foutre du... on va vous foutre du Apollon, et là, vous ne direz plus la même chose de votre vie. Dans l'aine de Naxos, très bien. Très 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 bien, ça nous permet de survivre parce que je vois que j'en ai pas tant que ça de la laine. Je n'en ai pas tant que ça. Alors vu que j'ai un peu d'argent, je vais foutre Apollon. Qu'est-ce qui s'est passé? Oula, je ne sais pas ce qui s'est passé, désolé. Apollon, j'aimerais bien du coup le foutre ici. Voilà. Et je sais que les dieux font ce qu'ils veulent, mais s'il te plaît, Apollon, si tu pouvais faire comme ça. Moi, ça m'arrangerait vachement. Parce que si Apollon passe comme ça, il va pouvoir bénir ainsi ces quatre-là. Et donc, ça va être plutôt être amusant. Oula, j'ai beaucoup de chômage, et ça, c'est très bon. Merci, Stinfall, pour les drachmes. Du coup, un foutre... Que peut-on désirer de mieux qu'un... C'est de là provisoirement, ici. Alors, c'est vrai que Déméter, elle est attirante parce qu'elle fait beaucoup de bouffe. Mais Apollon, il fait les monstres et les jeux. Et comme on n'a pas beaucoup de cachets, c'est vrai que remporter les jeux, c'est vachement bien dans ce scénario. Donc maintenant que tout ça s'est fait, j'aimerais créer des choses du style bergerie mouton. Ainsi que laiterie chèvre. Un, deux, trois. Oh, ça remplit le poil. Hop. Juste ici. En foutant un bureau de maintenance juste ici. Et en mettant un grenier et un entrepôt dédié à la laine juste ici. Comment ça, je recrute? Ah bah oui, forcément. Tout le monde est grandi, pas vous. Ce qu'on peut faire, c'est foutre des... Ils sont arrivés second, c'est dommage. Je peux pas augmenter tout le monde. Voilà. Voilà. Alors. Qu'est-ce que ça me dit? 8 ouvriers requis, je devrais avoir ça. On n'a plus de marbre, c'est ça? C'est ça. Bon, on va attendre, c'est pas le principal, Apollon. Que peut-on désirer de mieux qu'un peuple bien? Si Naxos a la bonté de me donner encore plus de... A la bonté de m'apporter encore plus de... Comment appelle-t-on ça? De marbre. Ça pourrait m'arranger. Donc on va mettre encore plus de moutons, du coup. On double en fait les moutons que j'ai et on double les chèvres également. Parce que j'avais 3-3. Stinfall a besoin de nourriture. J'ai pas assez de nourriture. Ah oui.
Ah mais ça c'est un peu nul. Ça c'est un peu nul. Zéro réserve de nourriture par mois. Donc je vais arrêter de vendre le blé. C'était une mauvaise idée. J'ai plus de bouffe. Je vais arrêter de vendre le fromage aussi. Voilà, ça y est, j'ai assez de bouffe. Pour Stinfal, évidemment, même si moi je souffre de nourriture, on va leur envoyer. Je peux pas créer 300 tueurs dans ce scénario. J'essaie de trouver un point dégagé. J'ai pas un point dégagé quelque part. Alors, en même temps, c'est difficile de créer 300 tueurs là où on n'a pas de place dans la cité. Voilà, que de 200 tueurs, c'est ça. Dommage. C'est vrai que Demeter, elle est attirante pour ce côté-là, pour le côté bouffe. Par contre, au niveau de la laine, les bergers, ils font rien du tout. Par contre, la bouffe, là, ça va devenir urgent de pouvoir en retrouver. On est en mai. Grenier détruit. Où ça? D'accord. Gratuitement. Heureusement, il n'y avait rien dedans, j'ai envie de dire. C'est quoi qui a été détruit? Pourquoi tout ça, ça a été détruit? Merde, attendez, c'était quoi? École de théâtre, j'étais deux écoles de théâtre. Plus de nourriture est la panacée au problème de famine de cette cité. Bah oui, je sais bien qu'il faut plus de nourriture, mais j'aimerais bien te la fournir, tu peux toute ta nourriture. Du coup, deux écoles de théâtre. Voilà, ça y est, la nourriture revient parce qu'on est en juin, en juillet. Oui, donc ça j'ai compris qu'il était détruit. Voilà. Donc on recrute, mais plus pour longtemps, hein. C'est juste que en fait. L'accès ça a des besoins en vin. Ok. Bon alors du coup la laine, on a à peu près de tout par ici. Est-ce que si je mets ça, que peut-on désirer de mieux qu'un peuple piano? Je mets ça là, comme ça, comme ça. Non. Marchandule, s'il te plaît. Respecte-toi. Est-ce que tout le monde trop loin pour la bouffe? C'est trop loin pour la bouffe. Et trop loin pour l'huile d'olive aussi. Mais c'est juste à côté. La laine y va, alors pourquoi pas vous? Ah, c'est dérangeant. Ce que je peux faire, c'est l'inverse. Ce que je peux faire, c'est l'inverse. Contre une grande agora ici. Ah, c'est pas un très bel endroit. Bon, pour l'instant, on en aura 3. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait qu'on construise Apollon pour avoir des statues, enfin des monuments. Que sans ça, ce sera pas un très bel endroit. Hop. Début des jeux sismiques, monument de félicité disponible, très bien. Ok. Donc c'est les philosophes cette année, je crois qu'ils sont partis. Célébrez-moi et les marchands étrangers trouveront facilement leur chemin vers votre cité. Alors ici, je pourrais pas foutre un peu des... Non, c'est trop exigu. Surtout, ils arrivent tous second, quoi. On est second. Bon, allez, on va du coup dire marbre. Alors, ok, donc la meuf de ce grenier-là, visiblement, est allée se servir dans ce grenier-ci. D'accord. Ah non, celle-ci. Ton grenier est plein, madame. Il faut 68 blocs de marbre, donc ça va être cher en marbre.
On va y aller prudemment sur le marbre. Festivité à Eretri, j'envoie. Naxos en adoration devant moi, toujours. On va y aller lentement sur le marbre. Hein. Allez, s'il te plaît. Non. Mais arrêtez d'avoir des besoins de nourriture. Comment je peux pas nourrir mon peuple plus le vôtre? Ah, merci. Ah, 6 sculptures de Naxos. Ça va être très utile. Ça va être très très utile. Alors, au niveau de la laine, ça va, ça avance un petit peu quand même. Ok. Donc il me manque une sculpture pour Apollon. On va attendre le plus avoir de marbre pour continuer. Il me manque 52 blocs de marbre en tout. Ça arrêterait ici le marbre. On arrive petit à petit à avoir ce qu'il faut. Ok, les jeux numéros, hein. Les jeux numéros, on a nos chances, hein, parce qu'on a nos champions aussi. Ok. Hop. Alors, chaque fois qu'on passe à juillet, hein, c'est normal qu'il y a ce petit crash là. Oui, célébrez-moi, et les marchands étrangers trouveront facilement leur chemin vers votre cité. Ça va, j'ai assez de... J'ai assez de sous. Voilà, encore une fois, second. On a vraiment besoin d'Apollon. Combien encore de blocs de marbre? 44. Waouh, ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup à acheter, mais on va s'en sortir. Allez, Naxos. Oui. Ok, donc là, on a les 36. Pour l'instant, on n'en achète pas plus. Ok, on va commencer le temple. 36 blocs de marbre, il manque. Donc il manque moins que ce qu'on peut avoir l'année prochaine. Parce qu'on en a déjà un peu. Hein. Donc ça, c'est plutôt bien. Là, il nous manque 32 blocs de marbre et nous en avons... Célébrez-moi et les marchands étrangers trouveront facilement leur chemin vers donc, votre ça cité. Va. Il en manque pas tant que ça. On va pouvoir recommencer à vendre à partir de maintenant. Ah, les petits ralentissements, je suis désolé, hein, c'est dû à BES qui permet d'avoir le jeu avec des dieux assez fluides. Problème que j'ai voulu supprimer, mais faudrait que je vois pour essayer de régler mieux BES, j'ai essayé de faire au mieux. Voir si j'arrive pas à faire encore mieux que ça. C'est vrai que c'est assez gênant, normalement là on est en 100%, ça devrait rouler quoi. Du coup il y a des petits ralentissements. Dû à BES. Mais BES qui me permet tout de même de vous proposer cette aventure. Donc oui, pendant ce moment de calme et de creux absolu, parlons de pourquoi je n'étais pas là. Pour des raisons en fait assez diverses. Premièrement, pourquoi j'ai pas fourni la première vidéo? C'est parce que entre entre le tournage du deuxième et troisième épisode de Les Aventures de Jason, j'ai eu la bonne idée de passer sous Windows 10. Or à l'époque, je ne savais pas que Windows 10 pouvait créer ce genre de problème que j'allais avoir. Donc, moi, je tourne mon épisode assez confiant. Combien il me manque de marbre? Il m'en manque 20 et j'en ai 1. Donc, il m'en manque en réalité 19. Donc, je commence à tourner mon épisode, tout ça. Je finis mon épisode bien heureux. Et là, je vois que le micro n'a rien enregistré. Donc, je dis c'est bizarre, puisque juste avant les tests, il m'en reste 1. Donc, ça fait, il m'en a fourni 12, donc j'en ai fait 11, il m'en fallait 19, il m'en manque plus que 8. Non, il m'en manque plus que 7.
Oui, il m'a lâché les 12 et m'a rien dit ça. C'est bizarre parce que j'ai testé mon micro juste avant l'enregistrement, comme à chaque fois, et mon micro marchait parfaitement. Non, j'aurais essayé encore une fois, l'enregistrement marche pas. Je comprends pas. Donc, je teste plusieurs trucs. Et donc, vu qu'on est en vacances, eh bien, je pars également souvent loin de chez moi sans pouvoir enregistrer, sans pouvoir tester, sans pouvoir rien faire de ce côté-là. Donc, bien heureux que je suis, je fais des recherches, longtemps sans trouver, puis d'un coup je tombe sur un article avec plusieurs gens qui se plaignent, qui depuis Windows 10, visiblement, donc je peux pas confirmer ou affirmer, ceci dit, ça m'est arrivé sur Windows 10 et j'ai un Windows 7, ça marche parfaitement. Mais apparemment depuis Windows 8, Microsoft aurait mis un espèce de programme particulier dans son OS afin de réguler le son, enfin de modifier les microphones ou je sais pas quoi. Et donc ça fait que eh bien les microphones USB visiblement seraient affectés et marcheraient de manière assez random. Donc moi je me dis, j'avais fait les deux premiers épisodes de Jason après mon formatage sur Windows 7, ça va très bien marcher. Je fais mon deuxième épisode de Jason, ça marche bien. Je fais mon troisième épisode, ça marche plus. Entre les deux épisodes, je suis passé sur Windows 10. Donc je me dis, c'est probable que ça vienne d'ici. Donc je repasse sous Windows 7 grâce à la seule chose que Microsoft fait bien, c'est-à-dire les retours en arrière. Et finalement, j'ai réussi à enregistrer récemment ce nouvel épisode. À savoir que vu que c'était encore les vacances pour moi jusqu'au 21 septembre, j'ai eu des difficultés à voyez, on arrive presque à la fin d'Apollon, on gagne les Jeux Olympiques, c'est quand même fou. Donc jusqu'au 21 septembre, j'étais en vacances, donc j'avais pas tout le temps disponible. Même si ça paraît étrange, mais c'est assez réaliste pour eh bien faire mes épisodes. Je partais trop loin de mon PC, tout ça. Et en plus de ça, ils ont eu la bonne idée de commencer à faire des travaux juste à 5 mètres de ma fenêtre qui est à droite de moi quand j'enregistre ces épisodes. Donc en gros, si j'enregistre en journée, vous allez entendre tous les jours, les gens faire des travaux. Donc c'est assez gonflant parce que du coup je ne peux plus tourner que les soirs ou les week-ends, sachant que du coup les week-ends en vacances c'est le moment où on est le moins présent. Donc effectivement c'est là où j'étais le moins présent. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à faire ce nouvel épisode. J'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à trouver le temps, d'autant plus que je devais refaire les deux premiers épisodes de Jason en plus du reste. Donc voilà, c'était assez compliqué pour moi. Mais heureusement j'y suis arrivé. Le retour de Jason, puisque maintenant c'est le retour des cours aussi pour moi. Et donc maintenant on va pouvoir s'amuser tranquillement à finir les aventures de Jason et continuer avec les autres scénarios de Zeus, hein, si vous le voulez bien. Alors juste aussi petite proposition, comme d'habitude je vais vous fournir deux épisodes de Zeus par semaine. Si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, encore une fois. Si vous le voulez, je peux vous faire une autre aventure suivie. Alors sur quel jeu, je sais pas encore. N'hésitez pas à me proposer si vous voulez. Une autre aventure suivie. Donc ça ferait un épisode de Zeus, un autre épisode de cette autre aventure suivie par semaine. Donc voilà. C'est comme vous voulez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça me fait pas énormément plus de boulot que ça. Ça ne me fait pas énormément plus de boulot que ça et je peux arriver à m'en sortir et à vous fournir donc deux les aventures suivies au lieu d'une par en même temps quoi. Parce que je sais aussi que Zeus en même temps c'est pas non plus la chose la plus extra à regarder. Ah ben nos philosophes n'ont pas été assez performants. Ça nous fait combien là? 2, 4, 6. On nous fait 4, 8, ça nous fait à cette compagnie de cavaliers. Donc ce que j'aimerais, c'est que tu nous foutes ici de l'armement.
ici un armurier et j'aimerais acheter donc un Axos qui est là, de l'armement. Donc deux armements par an, ça me paraît bien. Ensuite, on va dire que ça va me gêner, donc on va dire qu'on va faire ça comme ça. Voilà. Puisque j'aurai 2, 4, 6, 8. 8, c'est assez suffisant, je pense, en termes d'armée. Rétri, j'ai pas besoin de 20, j'aime beaucoup ton don. Mais là, j'ai pas besoin de population. Ok, donc là, j'ai envie. L'armement, ça va arriver. On va pouvoir mettre notre marchand de vin et notre dresseur de chevaux. Sachant que on va mettre ici. Ça commence à faire serre dans la cité parce que je veux tout confiner parce qu'on a vraiment pas beaucoup de place dans cette cité. On va mettre ça ici comme ça. Hop. Avec évidemment vous. Alors oui, ils ont besoin évidemment d'eau. Est-ce que je peux foutre? Non, je pourrais pas foutre toi ici. Hein. Je pourrais pas foutre ce que je veux, tant pis, c'est pas grave. Ils n'ont pas assez de cachets. Le cachet arrive, ne vous inquiétez pas. Je sais pas jusqu'où ça va affecter là. Célébrez-moi et les marchands étrangers ouvriront facilement leur chemin vers votre cité. Ok, donc là, il y a nos athlètes qui vont partir pour certains jeux. Alors, question que je vais me poser. Ils ont gagné, très bien. Très très bien. Question que je vais me poser, est-ce que les chevaux sont assez prêts? Voilà. On y arrive. 14 ouvriers requis, j'en ai 168 qui arrivent. Donc l'armement, ça avance. On est en baisse au niveau de nos crédits à la fin de l'année. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle. Peut-on désirer de mieux qu'un peuple bien? Non mais je sais les métaires. Hein. J'envoie pour Stamphal. Il va me falloir un autre monument. Un podium détruit ici. Pourquoi t'as été détruit? Ah mon dieu, d'accord. Si le podium est en danger, il y a tout qui est en danger là. Comment je pourrais... Ah oui, d'accord, il s'arrête ici, le monsieur. Ah! C'est tellement tout confiné. Tant pis, on va faire un truc dégueulasse que j'aime pas trop faire, mais tant pis. Voilà. Alors, on va armer. Ok, il nous manque juste un armement ici. Il y a les chevaux. Ah, il va me dire que c'est trop loin. Putain. Mon dieu, j'ai construit Apollon pile poil là où il fallait pas que je le construise. Ça va, c'est pas la mort. Que peut-on désirer de mieux qu'un peuple bien nourri? Oui, je prends cette écurie ici. Hop, facilité à Eretri, vas-y, fais-toi plaisir.
Alors, j'avais reçu un nouveau monument. Monument à l'érudition, voilà. Ah, merci Naxos pour les 6 armements. On va arrêter là l'achat d'armement. Si j'en aurai un petit peu plus besoin la prochaine fois pour les trirèmes. Pour les trirèmes. Qu'on va faire dans pas longtemps d'ailleurs. Évidemment, une à la fois hein, pour toujours gruger le système. En plus de 25 ouvriers, j'en ai 4 qui arrivent. Apollon arrive jusqu'ici quand même. Bon alors là, ne me dis pas que c'est trop loin pour toi. C'est bon, il y va. Célébrez-moi et les marchands étrangers trouveront facilement leur chemin vers votre cité. Où, monsieur des chevaux. Il a déjà donné. Ah oui, il a déjà donné. Début des jeux de la cité. Allez, bénis les jeux de la cité, Apollon. Bénis le stade. Oh, t'es silencieux. Ok, il est nul. Bon, mais il n'aura pas le stade, hein, Apollon. Bon. On a arrivé le second lors de nos jeux, c'est ça, oui. Parce qu'Apollon, il nous a pas béni. Voilà, c'est ça. C'est la faute à Apollon. C'est la faute à Apollon. C'est bon. Première trirème, on mobilise. Paf, il n'y a plus personne. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on construit un deuxième qui est le trirème. Donc là, j'ai besoin certainement d'un peu d'armement, je pense. On va en prendre. Ok, donc là, nouveau armement. Très bien. 12, je pense que ça va suffire. Peut-on désirer de mieux qu'un peuple bien. Je ne sais pas, Déméter. Je n'ai pas la réponse à ta question. Bon, eh bien, toujours est-il que nous progressons. Nous progressons. Les chevaux, ça avance. On a 4 chevaux ici. 1 ici. Non, 2 ici, donc ça nous en fait 6. Donc bientôt une compagnie entière. 2 chevaux. Alors, donc là, ils sont en train de faire la trirème. Donc on va bientôt pouvoir eh bien, attaquer avec notre cher Jason la toison d'or. Et c'est quoi le troisième trésor 5000. Ah bah ça sera easy à avoir une fois qu'on aura plus besoin d'armement comme ça. Allez, vous en êtes assez bien. Allez, mobilisez-vous. Voilà. Et quel est le dernier qu'on trouve ici. J'aimerais savoir, t'es tout seul toi. Non, t'es pas tout seul. Du coup, je voudrais bien faire un truc du style, hop, histoire que chacun ait sa propre zone à garder. Alors, l'armement arrive, c'est bon. On a assez d'armement. Oracle silencieux, très bien. Ok, donc là en termes de chevaux, on en a 4 ici, plus 2, plus 2, ça en fait 8. Donc on a 2 compagnies, ça y est, on a nos 2 compagnies. Jason va nous le dire. Donc on va arrêter l'achat de chevaux. On va certainement acheter un dernier ici, mais ça c'est pas grave. Parce que j'aimerais vraiment terminer au plus vite. Alors est-ce qu'ils sont bien en train de construire ici le troisième? Oui. On sera combien? Il me dit pas combien ils en sont. Ah, j'accepterai très volontiers. Voilà, très bien. Donc on va voir Jason. Qu'est-ce qui te manque? Les 8 chevaux évidemment. Donc il faut 2 chevaux ici. Voilà, ça en fait un.
Célébrez-moi et les marchands étrangers trouveront facilement leur chemin vers votre cité. Et le deuxième. Enfin, les sismiques ne l'ont pas été suffisamment, tant pis. Et le deuxième cheval, allez s'il te plaît. Allez le cheval. C'est bon. Appelez Jason. Ouh, ça y est, c'est fait. C'est fait. Donc ça et ça, on n'en a plus besoin. Maintenant, hop, s'il te plaît, toi ici, achète des chevaux. Ah. Je suis Jason du Yolkos, à votre service. Très bien. Jason du Yolkos est là. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur notre cité? Le seul endroit où... Pas plus tard que l'autre jour, je disais à ma femme combien cette cité est superbe. Eh oui, je sais, Jason, je sais. Cette cité est juste fantastique. Il nous achète de l'huile d'olive, Lemnos. C'est bon à savoir, ça. C'est bon à savoir, parce que l'huile d'olive, j'en ai masse. J'en ai masse. Et ça se vend cher, l'huile d'olive, 145. Ça se vend plus cher, l'huile d'olive, que le bois, en plus. C'est fou, hein. Mais l'huile d'olive, regardez, j'ai 90 huiles d'olive. Ouais, c'est un truc de fou. L'huile d'olive, voilà, j'en ai autant que j'en veux. Du coup, ben, je peux envoyer Jason, maintenant, faire la quête de Zeus. Et j'irai même tenter une petite attaque. Dès que Jason sera de retour, j'irai même tenter une petite attaque de Trézen. Alors même s'ils sont... Voilà, ils ont une grande armée. Hein. Autant vous le dire, non, ça va pas réussir. Ils ont trop de grande armée, ça va pas réussir. Je suis en train de consulter mentalement ma tête qui me dit non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis de toute façon, ça fait déjà 42 minutes que nous sommes en train de jouer. Donc, autant vous dire qu'il est temps de terminer cet épisode. Voilà, qui aura été plutôt long à mettre en place. Hein, c'était toute la mise en place. Ah. Bravo, vous êtes très valeureux. Vous avez accompli ma quête. La toison d'or est de retour en Grèce. Et ma malédiction sur votre cité a été levée. Vous pouvez maintenant construire un monument commémoratif en mon honneur, mais avec plaisir, Zeus, avec grand plaisir, bordel. Paf, grande statue de Zeus, pouf, voilà. C'est magnifique. Donc, eh bien, consultons l'oracle d'une dernière fois. Festivité à Eretri avec plaisir, je t'envoie ça, Eretri. Donc, nous allons terminer cet épisode ici. Alors, comme vous avez remarqué... Alors, attendez, parce que... Hop. Enregistrer Jason. Donc, ça, c'est le 3. Bah, je vais enregistrer maintenant un épisode... Enfin, je vais enregistrer maintenant un... une save par épisode. Parce que sinon, si à chaque fois, il faut toujours faire ces épisodes, ça va pas le faire. Hop, voilà. Jason 3. Donc, vous avez remarqué certainement, en voyant l'épisode qui est sorti un dimanche et non pas un samedi... Jason rapportera finalement la toison d'or en Grèce. Il est revenu de Colchide avec Médée, la puissante fille du roi Aétès, qu'il a épousée. Zeus a levé la malédiction qui pesait sur votre maison. Voici venu le moment de bâtir un royaume. Le chemin qui s'ouvre devant vous se divise en deux. Prendrez-vous la route de Zancle pour construire une puissance économique ou choisirez-vous la voie de l'épée pour édifier une armée puissante? Corcyre, île fertile, vous offre de nombreuses ressources qui vous permettront de faire prospérer Iolcos. Corinthe vous offrira un puissant bastion depuis lequel vous exercerez votre pouvoir sur l'ensemble de la Grèce. Voilà, donc avant de revenir sur le scénario, je finis vite ce que j'étais en train de dire. Donc effectivement, j'ai décalé les sorties des épisodes au mercredi et dimanche, et non plus samedi, pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit, problème d'enregistrement en journée, en semaine... le fait que je travaille aussi à côté, hein, donc je peux pas non plus tout le temps en journée faire ce que je veux, c'est plus pratique pour moi de faire des enregistrements le samedi, même si c'est pour le dimanche juste qui suit, parce que ça me permet du coup d'avoir une journée de temps pour me poser et faire mes épisodes, alors que le samedi c'est trop tôt en fait, parce que juste avant j'ai le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi où je travaille,
les soirs, j'ai pas forcément envie de tourner les épisodes, etc. Donc vraiment, les dimanches, c'est peut-être mieux, après réflexion pour moi, de vous fournir ces épisodes. Et sinon, pour revenir un peu au scénario, alors juste avant la fin, j'ai comme entendu un monstre arriver dans la cité, donc je sais pas pourquoi. Mais bon, de toute façon, Apollon l'aurait réduit en miettes immédiatement. Hein. Au niveau du scénario, donc, on est plus maudit par Zeus, c'est bon. Zeus a dit, ah, je lève la malédiction, tu as volé la toison d'or à quelqu'un, tu as fait un acte méchant, donc c'est bien, je peux te lever de la malédiction. Et on nous propose désormais un choix stratégique. Donc, ce choix stratégique, c'est, est-ce que on va prendre la voie économique, donc faire une puissance économique avec plein de drachmes et tout, être riche, bordel, ou alors faire une puissance militaire avec une armée surpuissante via Corinthe. Je tourne pas encore l'épisode 4. Je vous laisse choisir dans les commentaires si vous voulez la voie de l'épée ou la voie des drachmes. Dites-moi ça, je tournerai l'épisode mardi soir, si tout va bien. Non, lundi soir, donc vous avez une journée pour me dire ça à peu près. Et n'hésitez pas aussi à revenir sur, si vous voulez, un let's play ou pas, sur notre jeu après Jason. Ouais, même si on gardera Zeus, hein, Zeus sera toujours là, mais est-ce qu'on continue deux épisodes de Zeus par semaine ou un épisode d'un let's play, un épisode de Zeus par semaine. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, ça fait plaisir d'être de retour parmi vous, ça fait plaisir de revenir sur ce jeu de l'amour, ce jeu de l'orgasme absolu à chaque fois que j'y joue, et puis on se retrouve très vite pour le prochain épisode de Zeus. Allez, encore merci à tous et on se retrouve très vite, bye tout le monde.